Bonjour tout le monde, c'est avec même quel content que nous avons retrouvé aujourd'hui hein, pour nous présenter une autre émission dans Point Vigile. Aujourd'hui, c'est une autre bagaille qui peut être faite. Et si nous rappelons, nous avons lancé la chaîne, nous avons cité deux noms. Nous avons cité Pipo Saint-Louis, dit Philippe Saint-Louis. Et Johnny Sélicou, c'est deux mondes que nous avons commencé à suivre avant même que nous lancé la chaîne ça, pour nous apprendre une série de bagailles dans la bouche de M. Sayo. Et je dis, il y a un nom qui c'est Johnny Sélicou, qui c'est un musicologue, un monde qui baille toute vie dans la question de musique là. Et je ne dis à lui faire Point Vigile, il est honnête pour être capable de participer et venir faire un petit échange avec nous dans Point Vigile. C'est dans ce sens ça, n'a dit Johnny Sélicou, bonjour et bienvenue dans Point Vigile. Bonjour, bonjour, c'est avec un plaisir que vous m'invitez dans Point Vigile. Moi, regardé quelques, le, après que vous avez fini par l'avant, moi, regardé quelques émissions sur YouTube, je trouve qu'elles sont très, très bonnes. Initiative, bah, dit belle, je trouve belle, j'ai un petit côté esthétique, mais bon, non, mon côté contenu que moi, mets là-dedans, les docs sont très bonnes initiatives. Moi, mes aspects, ça, parce que nous n'ayons époque côté réseaux sociaux, bah, nous avons pile possibilité. Pour nous partager ça, nous posséder comme information, pour nous échanger avec le monde, découvrir l'autre monde, découvrir l'autre univers dans le monde là, dans le monde musical là surtout. Et qui en pile monde qui prend, fait l'autre barre avec elle. Bon, c'est bon pour eux parce qu'il fait au fait quoi. Mais comme ça, il y a des monde dans le même, ou bien Silex, qui est connecté, ma voilà, qui font leur choix côté ça n'a fait à la libérale atemporelle. Avec des soins faits à la journée, dans 100 ans, il va y avoir une sorte de source d'information pour les étudiants, peut-être qui ont fait des recherches, pour les gens qui ont besoin de découvrir dans le période de ça n'a pas parlé. Donc, moi, vraiment, félicito et c'est avec un grand plaisir que je vais répondre avec invitation, vu que les gens qui sont connectés n'ont pas qu'à connecter à n'importe qui. Ils connaissent des gens qui sont très difficiles et qui parlent pas n'importe quoi et tout, parce que moi, je vois en pile invitation. Je coupe même pile coupe tout, pas bon, je ne pas qu'on dit non en général. Moi, j'ai un petit côté introverti là quand même. Donc, bah, il m'a dit non, même pas en pile coupe. Vous comprenez? Et mon capteur équipe en coupe, non, mais excusez. Mais généralement, j'ai besoin de garder quand je parler. Hein. Donc, moi, vraiment, moi, mes introductions, leur mettez moi-même avec Pipo. Oui, Pipo, c'est quand même un homme qui fait musique en pile, qui va apprendre de monsieur tout pendant tant d'affaires normales d'alternatives. Mais une petite précision, comme on dit, musicologue, pas tellement usurpateur du titre. Moi, pas étudier musicologie, moi fait appréciation musicale, qui ont déjà semblé, mais musicologie, j'aime beaucoup le niveau ça. Donc, en plus, mon me dit tellement, ouais, je prends musique. Ils sont musicologues, mais ils sont scientifiques. Musicologie, je vais l'étudier, c'est à l'université. Moi, je fais de classe dans appréciation musicale qui m'a mon capacité pour me comprendre, analyser des œuvres musicales. Et ça fait le papa analyse, on va dans le domaine de musique. Les moutons, que sont mon qui peuvent dire n'importe quoi. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous passer tout ensemble. Merci. Et je vais rappeler pour tout le monde qui ne connaît, pour le monde qui connaît, qui ne connaît pas tout. Et Johnny, il y a un titre sur YouTube qui est Johnny Talk, JC Talk. Donc, dans l'émission, ça, il explique un pile aspect technique qui gagne dans la musique là. Donc, moi-même, c'est un abonné, ça fait. Et moi, invite tout le monde à abonner dans JC Talk ou Johnny Talk pour nous capables d'apprendre yon si de bagay que nous pas connaît. Je dis à Johnny, nous allons parler de yon thème. Assez souvent, et gapil moun qui nan musique là, mais qui nous a dit qui rete des rideaux, mais qui a produit des bagay qui assez intéressant. Et sans moun sa yo, nous a dit musique là presque li va vin et boiteuse. Je voulais parler de parolier. Je veux dire, nous allons parler de parolier, de l'importance, de qui ça fait. Et avant pour nous commencer, qui ça, Johnny, qui ont parolier? Comment on a défini un parolier? Ok, parole est facile, nous parole là. Donc, c'est mon qui parole. Mais avec la nuance,
l'on dit auteur, auteur c'est chapeau. Tout le monde qui a écrit, qui a publié son auteur. Un essayiste, donc le monde qui a écrit essai son auteur. Un romancier, le monde qui a écrit roman son auteur. Un historien, le monde qui a écrit histoire son auteur. Un parolier, le monde qui a écrit pour musique son auteur. Et ça fait capable de musique de auteur, compositeur, interprète. Donc auteur là c'est mon qui écrit texte là, compositeur c'est mon qui fait musique là, interprète là c'est mon qui baille musique en vie, qui met des voix, qui met des instruments etc. Ok? Nous connaissons la créole, non certains moments lorsque j'étais gosse, lors du monde interprète son magité péjoratif, c'est du crétin ou pas qu'on voit un interprète ou qu'on interprète. Bon, même une grande dimension que ça veut dire, mais c'est la langue pas noire. Nous connaissons créole là qu'on sort de proximité avec français là, et qui crée problème parce que quand pile baille que mon dit en créole, il pensait capable automatiquement mettre le français, alors ce n'est pas le cas. Donc, un parolier, c'est un monde qui a écrit exclusivement pour musique, ça est important. Donc, un parolier, même genre, un romancier, son auteur, mais il a écrit seulement roman. Un essayiste, son auteur, mais il a écrit seulement essai. Un historien, son auteur, mais c'est seulement histoire. Donc, un parolier, son auteur, mais il a écrit seulement pour musique. Donc, quel que soit le monde qui consacre ville à écrire pour musique seulement, ils sont paroliers. Donc, Wally, c'est écrit pour musique. On ne peut pas dire si la petite poésie, c'est parolier, non, ils sont poètes. Mais ils sont auteurs. Pour nous comprendre bien, auteur là, c'est chapeau qui mettait tout le monde qui a écrit, qui a publié. Donc, ils sont auteurs. Donc, en dans chapeau ça, en bas chapeau ça, il y a plusieurs catégories. Donc, mon cas écrit seulement pour musique. Bon, bah, par exemple, c'est, on est un coup Richie. Richie, c'est un parolier. Parce que Richie, lui-même, c'est spécialisé dans l'écrit texte pour musique. Dans pilote, juste pour Richie. On est capable de prendre BIC tout, mais comme BIC lui-même à la fois écrit parole pour musique, Dieu écrit livre tout parce que BIC son poète, mais on est capable de prendre BIC tout comme un parolier, le vraiment consacré tant à écrire seulement pour musique. Donc, en résumé, un parolier, c'est un monde qui écrit exclusivement pour musique. On mettait exclusivement. Ouais. Et ça l'a fait. Job, c'est écrit parole pour musique. Dans l'industrie musicale, il y a un monde de métier, il n'y a pas fait un rien encore. Il y a des classes pour ça d'ailleurs, quand on apprend à écrire pour musique. Il y a vraiment un aspect artistique là-dedans, un aspect de création, de don pour inspirer pour genre de texte, mais tant qu'un aspect technique, comme on ne va pas écrire pieds, il y a un capot de texte, bah, voilà, tout écrit pour musique. Tu ne peux pas mettre tes pièces, tes phrases en plus, parce que justement, mon nom, il écrit. Donc, il écrit écrit très bien, tout mon texte, tout parle. Il y a un capot de texte, bah, son poète, il écrit un bel texte qu'on ne peut pas mettre en musique. Mais dans le milieu de la musique, ça va vraiment de vous couper de pieds, pour ajouter des phrases, de tirer des phrases. Mais quand même, c'est ça, les lions, pas au lieu. Donc, dans ce sens-là, si nous prenons un poète, par exemple, un parolier qui a un poète, un poète pas un parolier, alors? Tellement, il y a une sorte de une proximité entre les deux. C'est-à-dire que le poète qui finit avec une poésie, à la base des poésies. Moi, par exemple, j'étais poète. Donc, je suis poète, mais j'étais parce que je n'ai pas écrit. Il est vrai pour dire là. Il faut mettre 10 riz avec poisson, table avec maïs moulin, avec légumes. Donc, baguette en ma petite poésie, plus à brasser la ria. Mais je suis poète. Sur ce premier, dès qu'on fait, dès qu'on écrit poésie, lorsque j'étais en primaire, on commence à écrire poésie très tôt. Donc poète là, les contextes, à la base, c'est pour la poésie. Il va le faire un recueil, il va faire n'importe quel livre de poésie. À la base, dès qu'on lit pour la poésie. Mais tant que le musicien, le compositeur, qui tombait son texte de poésie, qui est vraiment très bien écrit, qui est inspiré, fait en musique sur lui. Maintenant, il fait texte poétique, ça tourne en texte de musique. Donc là, nous avons proximité, hein? Mais tu es capable de dire, poète, ça, son parolier. Maintenant, poète, ça, capable, elle, qui succède, texte, ça, que tu écris pour la poésie, vient transformer en texte de musique, décider, reconvertir en parolier. Même la écrit de la poésie, parce que la musique aussi, c'est la poésie lorsque tu écris un texte. L'autre musique tant qu'on l'hiver, avec moi décembre, ou même avec des fêtes pour nous vivre ensemble. Deuxième chérie, c'est pour m'admirer. Le brave amour, c'est pour me caresser. C'est de la poésie, hein? C'est de la poésie. Mais c'est écrit pour la musique. Donc nous avons vraiment un lien, une sorte de lien très fort entre la poésie et les paroles de musique. Si on est capable de dire entre un poète et un parolier, et la proximité, elle est vraiment très, 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 très serrée. Donc, on parole capable de tourner un poète, on poète capable de tourner un parolier. Donc, vraiment, il y a un capable de tourner l'autre. Sauf que c'est un coup, on est capable, poète, de toujours écrire poésie, dans la tête de la paix, écrit pour la poésie. Et puis, il y a un capable de faire la musique, mais il n'y a pas de faire la musique avec elle. Jusqu'à ce que peut-être ça
ça fait vivre, c'est-à-dire ça rapporte de l'argent. Et le monde a décidé que, au-delà de la poésie, je vais maintenant me consacrer à écrire pour la musique. Donc, il tournait en parolier, en parolier poète, si tu veux. Non, si tu regardes la musique en général, nous joignons des paroliers qui sont musiciens, des paroliers tout qui pas musiciens. Qui différence ça fait entre Léon ou bien une femme d'où qui sont paroliers musiciens avec Léon par un parolier musicien? Est-ce que dans l'écriture là ou bien dans le fond, dans le fond texte, est-ce que bon différence? Quelle est la différence là? A gen diferans nan kontenu, nan kontenu tekst la. Sauf ke, le yon parolier musicien li plus fasil ou la fwa auteur-compositeur. Alors ke le parolier a seulement parolier, li pa konen ki musik, li jist son parolier. Lo an ek kape ki parol, epi li kon kompose, dok parolier yo generalman tout bien chita, se di nou longe pie yo, mou yo, parce yon de mou ki son tre musiko. Gen de mou ki tre lout ou la pe kri nan tekst pou la musik. Parce que la musique, ça se chante en général. Ça se chante parce qu'il y a des gens en musique au couteau, pas forcément chanter là. Vous comprenez? Par exemple, le rap, c'est de la musique. Mais tu ne chantes pas dans le rap. Bon, maintenant, il est vrai que il y a une tendance dans le rap là qu'on est à la côté, on a chanté tout. Mais à la base, le rap, c'était des paroles scandées sur des beats, à la base. Maintenant, l'heure où son parolier est pour ces musiciens les plus faciles pour composer, les plus faciles pour paroloyo musical. Que au monde qui pas connaît musique du tout mais qui gagne don pour écrire, qui gagne don pour écrire mais qui pas connaît rien en musique, ballon guitare, ballon keyboard, il pas ca faire parce que justement il pas aucune formation en musique ou il pas aucune connaissance de base dans musique. Donc on dit que moi elle va composer côté me chita là, me chita dans studio, moi gon keyboard derrière moi. Donc elle m'a composé un texte, moi écrit texte en toi mais accord sur. Donc le plus facile pour moi c'est mon mot qui trop long, ça veut dire un mot de plus là dans non pied que me capable tout couper. Alors que n'est qui parole pas comme musique, n'est qui parole là, dès que tu as une première fois, c'est une longueur, dans la même strophe là, puis deuxième fois, ça coûte. L'opote le bail au musicien qu'on a pour composer, parce que c'est pour nous comprendre bien l'audit, il y a un compositeur, ou capable de son auteur ou pas compositeur, parce qu'on pas comme musique. Il y a des gens qui bail un air dans la musique, il y a des gens vraiment, tu vois, il y a, comme je dis dans toutes les exceptions, il y a des gens qui ont don, mais qu'on a un mime qui pas. Qui pas qu'on font note son piano qui si ou ballon guitare même rate la pointe n'est pas qu'à faire sous guitare là mais les contextes mais tout mettez mélodie sur lui mais c'est extraordinaire capacité de gars pour imaginer des mélodies qui généralement je t'as tout à quoi yo là c'est ça les Messi Ronaldo n'a écrit musique n'a Pelé n'a Romario les Zidane c'est des mondes exceptionnels yo ils ont pas en pile parce que généralement les qui parlent pas qu'on écrit musique dans la ton texte au côté après gagne de pied qui met longueur l'autre la coûte qu'on a ou même qui c'est compositeur le parler mettre musique sous parole ça ou pas obligé couper une série de phrases mettre puis bas tu vois interchanger pour ba musique pour ba parole là un sens mélodique. Donc lors son parolier et pour à la fois musicien donc auteur compositeur le plus facile pour composer des chansons toutes faites parce que tout pareil c'est juste prendre texte là pour mettre mélodie sous les par exemple nous quand pile exemple on prend un compas Tidjo Zeni. Monsieur à la fois compositeur, monsieur écrit parole. Ali La Rivière, compositeur écrit parole. Ritime Saut Palela, écrit parole. Jean-Max Valcourt, écrit parole. Denis Seyid, écrit tout mettre musique. B.I.C., Jean-Jean Roosevelt, Bello. Mais vraiment, en pile. Même quand même Beijing nous dit là, tout apparemment qu'on fait 2-3 notes. Donc, il y a un pile monde qui a un don à la fois capable d'écrire et puis composer. Mais il y a un monde qui seulement écrit. Mais chaque son métier, ok? Donc, industrie musicale, il y a des gens qui parlent seulement qu'on écrit. Il est vraiment capable de bon connaissance de base en musique. Parce que pour un bon parolier, je toujours dit, en plus, j'ai quelqu'un qui écrit, je me dis ça, je me dis, moi, qu'on écrit bien, prends classe musique. Même l'on fait 3 mois apprendre accord seulement, la petite rompille. La permet qu'on écrit mieux, la permet que l'on a un texte, c'est que ça tout pareil. Donc, je toujours encouragé toutes les gens que je connais qu'on écrit, que ces filles, que ces garçons, je me dis, prends une leçon de base, même en piano. Parce que piano, c'est un instrument qui permet de composer bien. C'est un instrument mélodique lié. Donc, il permet que ou bon piano là, quand je suis toujours dit là, écoute mon frère, avec un laptop, on midi contrôle qu'on a $25 ou qu'on joue piano là, car parce que on midi contrôle là, on a des là, qui m'a acheté ça, ça fait quoi, 3-4 ans, m'a acheté 150
Donc là, monsieur, qu'on est à la même pour 20 dollars, vous comprenez? Donc, sous qu'on compose, sous qu'on écrit, je veux dire, et vous voulez faire métier là-dedans, c'est-à-dire que dans le sens que vous écrivez le texte que vous aimez, que vous prenez, que l'artiste solo prend, que vous avez joué, je conseille en pile, souvent qu'on fait musique, aller pour une classe au moins de piano, la permettre très facilement, l'a écrit texte ou tout mettez accord sur lui, ou tout gain mélodie. Donc, pour répondre à la question en résumé, l'a à la fois écrit et composé les mieux que seulement ou qu'on écrit. Même là qu'on composait tout, ce qu'on composait, bon, écrit, tu as combien de classes, par exemple, dans Berkeley University aux États-Unis, vient de classe de composition. C'est-à-dire qu'il y a deux classes que tu as là pour composer musique, là on écrit parole. C'est deux métiers, oui. Non, l'industrie musicale, il y a des côtés qui ont fourni mon pour. Mais en Haïti, en général, c'est deux mondes qui ont don. C'est pas bon l'école. Mais oui, il y a l'école de musique en Haïti, cette unité est toujours là. Je crois qu'il y a quelques autres écoles de musique. Mais songez longtemps, le map temps de l'histoire. Les Pétionville, c'est un côté qu'on fournit en pile dans la question souffleur, mon café instrument avant yo. Et, ou après Tabou Kombo, Fafantibot, même le Fafantibot, c'est un percussionniste. Mais il y a un pile grand musicien, grand souffleur haïtien qui passait dans le lycée, ou dans les lycées, dans les années 70-80, jusqu'à 90, lycée où tu as ça relais en fanfare, quand tu n'as pas appris de musique dans l'école. Je veux dire, c'est sûr que pas gagné ça encore, mais ma conseil à tout le monde qui écrit, qui qu'on écrit bien et qui est toujours sollicité pour écrire, à la classe de base dans le piano. Donc, en définitive, c'est au monde qui à la fois écrit, composé le mieux pour lui que seulement qu'on écrit. Donc, métier parolier, si n'a pas été en Haïti, est-ce que pas un endroit, mais je vous citer de trois côtés, spécifiquement, qui formait moun pour ça, ou bien qui prend moun ça, qui encadre, même si moun n'a pas talent, mais li encadre, li dit que, bon, moun pral là, ou moi, si moun capable améliorer ta. Est-ce qu'en Haïti, goun bagay comme ça? Non, pour autant que je sache, non. Il y a plusieurs ateliers d'écriture qui sont faits, mais pas forcément pour la musique. Pas forcément pour la musique. Peut-être deux, trois, parce qu'on fait comme des participants dans l'atelier, comme animateur, dans l'atelier ça, que Haïti Musique t'a fait, parce que c'était sous écrit parole, c'était pas fait changer, parce que j'ai vraiment animé plusieurs ateliers ici. Mais pas dans l'école que je connais, bah, c'est pas existé, non, parce que je ne vais pas le dire ça, parce que je ne vais pas au courant. Même pas que dans l'école, au même titre que Berkeley, qui, quand on va le faire en classe sous composition musicale pendant 4 ans. Tu comprends? Comme si on vraiment allait composer, apprendre à écrire et composer musique. Non, on connaît bien l'école, tu as comme de Saint-Unité, quand on va apprendre instrument, etc. Et bien que l'on va apprendre instrument, il y a un aspect, l'on va faire examen, c'est des compositions qu'on fait. Mais ce n'est pas en classe comme si classe allait à une composition musicale. Tu comprends? Même genre le pays qui fait les. Même qu'on ait un atelier d'écriture, mais généralement pas vraiment pour musique, qu'on fait. Oui, qu'on fait deux, trois, mais pas bonne sorte de habitude, yon habitude de chaque année, on l'école là, qui a une série d'ateliers qui est allé sur 9 mois, 8 mois, chaque fois qu'on a sur un atelier d'écriture de musique, donc pas gain. Pour autant que je sache, hein, bah, pas gain, majorité parolier ou bien auteur en Haïti, c'est du monde qui autodidacte en général. Johnny, est-ce que yon moun ki, je di a moun remarke ke genyen sa nou rele group yo, atis yo, yo pa vreman, e le yo soti yon album ou bien yon müzik, yo pa inskri non pa ou liye yo, suto moun ki ekri tekst, yo pa ekri non moun za yo. Est-ce que se yon erre ou bien yon fote profesyonel, ou bien defwa, petet se voulu, se passe, parce que ase souvan, non moun za yo pa repete. OK, quand nous avons R2, ça s'appelle musique numérique. La musique est numérisée. La musique est dématérialisée. Dans le sens que, je veux dire là, on peut compter sur le côté de la chanson CD, qui sont produits matérialisés. Donc, on est capable de manier. Donc, le fait que la musique vienne dématérialisée, bon, c'est une information côté qu'on voit à l'œil nu, qu'on parle encore. Mais là, je veux dire là, par exemple, moi, j'ai un account sur ni Spotify, ni sur Apple Music. Et donc, il y a accès avec un catalogue énorme en termes de musique. Le on est sorti un album, je dis, sur Internet, sur un single, un EP, un LP, sur la plateforme numérique, ça,
lo aloué musique là. Donc ou pas rien, mais information là sont comment pour jeune, il ça les métadonnées. Métadonnées c'est des informations qui cachées mais qui dans fichier parce que musique qu'on a c'est des fichiers qui ont. Lo la métadonnées après compositeur, auteur, origine. Par exemple, moi-même, je fais upload une conseil de groupe qui gagne de musique qui se mette sur Internet, qui va me mettre pour eux. L'op upload de musique, donc l'op charge de musique sous plateforme ça, yo. Il y a des formulaires pour remplir, quand on va mettre auteur, compositeur, producteur, etc. Yo là, il existe. Et il y a deux cas côté, effectivement, le, où on achète le CD, côté, ou pas, ouais, non, parolier. Pour qui ça me connaît? Parce que normalement, on parolier, même si vous n'êtes pas professionnel, premier réflexe pour gagner, le ou gagner yon parole, c'est protéger. Protéger. Dit que le monde, on est qui en France, qu'on est pour l'inscrire dans sa SACEM, comme auteur. Donc, le liquide texte automatiquement protéger dans sa SACEM. On est qui Canada, il va aller dans SOCAN, I'm sorry, il va aller dans SOCAN. Il y a un monde aux États-Unis, il va aller dans BMI, il va aller dans ASCAP, etc. En Haïti, il y a un BUI, c'est dans l'auteur BHDI. En BHDI, I'm sorry. Donc, il faut que protéger le texte. Le protéger là, on ne peut pas prendre une vidéo sur CD depuis le rapport crédit. Et au-delà du crédit, vous supposez toucher pour le tout. Maintenant, on a l'autre aspect qu'on a là, qui c'est ça, il y a un auteur fantôme. Ou bien ça, il y a un ghostwriter en anglais. Si, on, par exemple, on est capable de faire un album, et moi, on a un bel texte, on dit, wow, texte à mauvais, man. Vends-moi texte ça. M'achetez l'amour. Le marché l'amour, nous avons le droit de prendre toute exclusivité à retirer non là dans le même. Et de vendre moins exclusivité de texte là. Nous payons un cop cash et vous vendre mes textes là. Quand nous sommes capables de décider, nous me mettons non dans la place. Ça, c'est le premier aspect, non? Écrivain fantôme, non? Ou bien ghostwriter. Deuxième aspect, c'est que où sont les qui ont écrit, nous payons écrit pour moi. Donc, nous gagnons exclusivité non en tout. Et même gens où on a fait autobiographie, où on a fait mais biographie, on m'a dit auto parce que c'est auto c'est pour écrire, ou a fait biographie, ou font mon fait pour mais c'est aucun nom dans couverture livre là. Donc c'est aucun écrit, donc pour écrire fantôme, ou fait écrire livre là pour et puis libre droit et puis bien ça fait le tout en droit de réserve en côté papa le dévoiler que c'est écrit parce qu'on paye pour ça. Donc il y a du monde qui accepte pour un gros com et puis il vend nos textes là. Ça qu'on y veut que texte ça vend on était qu'à prendre 10 000 dollars dans mon. Et puis, le texte a généré sur le temps $1 million. Et ça fait que les gens qui parlent, mais 20 textes, ils ont plutôt écrit, ils ont un droit sur le texte là. Quand on parle d'exploiter le texte là, on connaît 70 ans, 80 ans. Si par exemple, un texte ça fait gros succès dans le monde, par exemple, là, pour la musique, t'as coup, darling, darling, stand by me, on est plus texte là, qui a un droit sur le texte là. Ouais, comment le texte a fait. Vous comprenez? Donc, si un non n'a pas écrit, comme il n'y a pas le crédit, dans la pochette album, le te kon gen CD ou bien vinyle, c'est parce que justement, nous avons habitué à ça. Mais je dis en là, tant qu'on dit sur toute fiche ou acheté, ou musique autant de sous, sur n'importe plateforme numérique, métadonné, soit pas ouais, il écrit auteur, compositeur, tout le monde a écrit là-dedans. Pour upload musique là, il est exigé pour mettre, pour bail crédit. Donc, on est capable juste pour un fichier, ou prendre la pour musique, ou ouvrir tout iTunes, et à partir de iTunes, tu vas prendre toute information qui est cachée dans le fichier. Ça. Okay. En parlant de l'argent, je connais dans un grand pays, paroliers qui vivent de ça faire. Est-ce que paroliers haïtiens, d'après vous-même, qui vivent de métier ça, sans yo pas le travail, ils fait ça exclusivement? Non, difficile. C'est difficile. Il y a trop d'épisodes. Non, c'est difficile. Très difficile pour ne pas dire impossible. Pour on est comme si métier, c'est parolier. Il ne fait rien d'autre qu'écrire pour la musique. Non. Et pour la vivre décemment. Bon, on est capable, mais pour la vivre décemment. C'est-à-dire décemment, on est capable de construire une voiture, construire une maison, il y a des teams qui font que l'école, qui est capable de permettre des vacances pendant une année. Pas évident. Pas évident du tout en Haïti. Non. Mais pas évident. D'ailleurs, pas une exigence, surtout dans le marché qu'on parle, quand on parle vraiment évaluer la qualité de parole. Parce que musique qui généralement hit, on parle de hit, c'est sous popularité, pas totalité. Musique qui généralement hit, il y a un pile views sur YouTube, il joue un pile en radio, c'est des musiques dont les paroles sont insensées en général. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas une exigence de consommateur
pour le vin avec des paroles et sorti des sentiers battus. Donc c'est pas les mêmes gens, Jérémie, mon bac à 800 euros, on a vivre, ou t'es quitté, ma mouille, ils sont pas tournés. Donc c'est toujours les mêmes, blablabla. Bla, bla, bla. Donc pas qu'on exigence en termes de qualité de parole pour qu'on ait vraiment son album qu'on a fait appel à des paroliers. Donc n'importe qui écrit n'importe quoi. Tu comprends? N'importe qui écrit n'importe quoi et puis mettez-le sous musique. Et puis il y a deux slogans, deux paroles. Et puis pap, pap, il font bruit, il mourit, il est tombé. Moi, les musiques. Ça yo, excusez même ces concepts, mais la musique bonjour pour elle. Vous comprenez? C'est de musique. C'est de musique. Yo faut nous sommes pas et puis pas il va dire aller fini. Donc c'est nous sommes dans l'ère de la consommation rapide. Tu vois du fast food. Donc c'est musique fast food yo. Donc n'a pas une exigence vraiment à moins que n'a qu'on a là bon école pas parler non compare ou bien dans variété haïtienne non. Tu vois l'école de BIC de Bello de Jean-Jacques Roosevelt. De Juanito te concert et moment comme moi disant tu le profil qu'on y a là cette école là il y a toujours une exigence pour peut-être pas c'est pas la société qui exige ça non mais c'est même comme artiste qui bat tête des exigences pour aller pour dépasser tête mais que toujours à chaque nouvel album qui est sorti ou après au sorti avec des bails qui nouveaux en termes d'écriture maintenant dans le compas il y a une autre école il y a une école qui est de parolier écoute aux jeunes écoute bon parolier que pas parler de lire pile si Joséni c'est un type qui écrit très bien hein, très bien. Mais école Paoli Tidjo, école Paoli Richie, tu vois, les deux NCI en général, c'est le monde que c'est pas société qui m'a dit faire ça ou faire, non. Il n'y a pas cette exigence. Mais ils ont même baillé tous des objectifs pour toujours dépasser tête. Ils n'ont pas voulu plafonner. Ils n'ont pas voulu plafonner. Mais en Haïti ou bien dans la musique haïtienne, dire que Gon Paoli parle puis vraiment écrit parole pour artistes ou bien écrit parole en général, non, c'est pas vraiment évident. Je ne parle pas par contre, on a vu de ça seulement. Je connais que l'artiste a pu seulement de musique, mais pas de parole seulement. Non, ça ne pas quoi ça existe. En parlant de qualité de musique, qualité de texte, alors, si vous avez fait une simple comparaison entre les années 70, 90 même, avec 2000, tu as dit. Bon, ce n'est pas seulement pour la musique haïtienne, non. C'est la musique en général. Je dis, écoute, je ne vais pas le remettre en question production on est fait. Ou mais la musique, une fois que on entendait les gens qui marchaient d'elle, notre bon, c'est-à-dire notre chita, accord chita, mais t'es capable bien de accord, les bons petits mélodies, et puis blablabla. Non, mais c'est de la musique, donc les gens qui remènent, on va marcher en ceinture, parce que la musique interpelle l'émotion, c'est-à-dire c'est lorsque tu écoutes une musique, ça te fait ou bouger, ça t'interpelle l'eau là, c'est des bagages dans la musique que je ne connais pas. Et ça fait que la musique capable d'interpeller l'eau, mais je me dis, qu'est-ce que tu fais avec les bagages ça, monsieur? Alors quoi, mouri bouli, comme ça, tu as une musique qui me que de qualité, mais vraiment, tu vois, au niveau de l'écriture, puis au niveau des accords, au niveau de l'interprétation, tout ça, je trouve que c'est une musique qui est bien faite, bien construite, alors qu'on a dit, mais qui ça, vous attendez là? Donc c'est ça un peu, il y a cet aspect relatif. De comment tu reçois une musique, comment tu l'apprécies. Donc, pas mal entrer dans l'aspect, ça. C'est, on m'aime mon musique, moi-même. Moi-même, son analyste musical, son critique musical, je recule pour me comprendre des machines dans la musique. Et me permettre que l'auditeur, ou bien mon capteur sur Internet, comprenne des machines dans tout, que me suivre, pour me dire, musique, ça me trouve que, il y a un corps là-dedans. Musique, ça a un nom là-dedans. Musique, ça a bien écrit. Musique, ça a bien composé. Musique, ça a bien arrangé. Et il y a des techniques pour ça. Maintenant, si la compare période, ça, c'est qu'on moment côté, il n'y avait pas cet empressement à sortir de la musique. Je dis, on est rentré dans le studio, c'est court, il sortit musique rapide pour qu'il y ait sur YouTube, pour le faire views. Époque années 70, 80, 90, même début 2000, il n'y avait pas cet empressement. Mon Dieu, il y a temps pour être chita, travail, mélodie, travail, texte, travail, arrangement. Mais il y avait beaucoup plus de textes bien écrits dans l'année précédente. Mais je dis à tout le monde, du texte qui vient d'écrire, attention, hein, on ne va pas le mettre tout pour le même panier, il ne faut pas faire ça. Il y a de très bonnes musiques aujourd'hui aussi, hein. Il y a de très bons paroliers, il y a de très bons compositeurs, mais si on a fait en termes de en comparaison et en termes quantitatifs, on a dit effectivement dans les années 70-80, 90 en Haïti jusqu'au début 2000, même dans on a parlé de la musique du monde, il y avait un souci de qualité qui était beaucoup plus présent. Que lié aujourd'hui, hein, ça c'est évident. Je tiens là, écoute, ou capable bien, on a besoin de pile poubelle, ou pas de tisoc de musique. Je dis.
Ouais, c'est un pile poubelle parce que ça pour déposer musique je dis là parce que grand pile musique poubelle qui sort. Mais il paraît que sorti au durée du mois ou bien en semaine et puis on mourir puis on l'autre là encore. Il y a tu vois cette production à outrance de musique parce que on en demande on en redemande. C'est-à-dire consommateur c'est je dis là c'est musique sortie au mourir rapide papa bon mais bon mais toujours. Donc on est envahi. Mais tu es une époque pas gain toute facilité de production. Et de diffusion ça yo mon était comme prendre temps yo donc là prend temps comme artiste et puis comme dans le temps aussi créateur pas gagné créateur elle fait dans chambre il a travail il pas près dehors il fait dans chambre ou il fait dans studio là réfléchir son musique côté lui même comme créateur il besoin fil lui d'abord c'est-à-dire gagne une qui fait musique qu'on aime pas bon mais là pas pas parler même mon cher donc là tu sens tant que tel son œuvre au départ il sait que c'est pas bon c'est-à-dire il connaît que ça faire c'est pas son bail l'instance c'est roi mais faut le mettre dehors parce que faut le faire comme donc à un certain moment artiste s'est fermé il pas de toute exigence pour faut le descendre au niveau peuple là il dit faut bail peuple faut là on bail là ben tu refais là on tu refais ouais là on tu refais là et ça mais là il y a pas là il y a là donc la ria est-ce que ça tue là je ne sais pas on va parler dans le domaine ça parce que mon consommer mais on est dans une période de surconsommation de la musique qui fait que créateur yo artiste en général yo gagne un empressement pour produire rapide pour produire en pile de produits rapide et malheureusement ça affecte la qualité même moi pour dire encore même dans les années 70 80 90 il y avait des textes très pauvres il y avait de la musique très pauvre aussi même dans qu'on pas en pile texte qu'on a tenu grand dame ça nous a dit là ou bien on a mis deux petits bouts de ligne là met ton mélodie ça existait mais en termes de comparaison en termes quantitatifs de gagner plus musique mieux construite au niveau des mélodies, des arrangements, des interprétations que je dis là, je dis nous avons une de musique complètement synthétique côté toute production c'est un ordinateur pas fait, il y a tu vois que moi musique dénuée de nom, moi même dit nom créole, nom fort, musique dénuée de nom, quand dans nos musiques quand depuis le fait, les bon cher de pour la chaque fois, on dit à chaque fois. Des musiques bon cher de pour une seule fois. Et puis l'entendez et puis moi bon boy ça moi mal entendre en pile musique je sais là depuis on sort son musique je dis sur YouTube mal pas entendre mais qu'en pile vidéo que moi on seule fois on mettre rigoureusement moi pas regarder une deuxième fois mais jamais regarder une fois me fini parce que moi le besoin d'entendre des musiques peut-être là parce que moi dans over 40 ans le besoin d'entendre des musiques moi même dit peut-être c'est l'âge moi c'est arrivé même on est grand pile jeune d'où qui c'est de Meloman averti calato moi mon chien font ti ba quoi voilà mettre des musiques j'aime bien besoin d'un bon compas ils font ti monter font ti ba caler on ah voilà gagne ba nous va aller gagne bagaille en parlant de ça comme tout à l'heure on s'est parlé de son critique regarder musique analyser musique yo. Et comme on a parlé de ça nous relé yonek kap écrit qui, pour, d'après vous-même, bon quelques moun ou connaît qui écrit et qui écrit bien. Que c'est un parolier musicien, que c'est un parolier qui pas musicien, d'après vous-même. Un gros exercice, là, la question, ça, on ne parle pas le billet, parce qu'on n'est pas mesure. Généralement, parole que me dit, il y a poids. Ouais, c'est ça, parce que bon, c'est Jesse. Etc. Oui. Et vous avez cité tel nom, ça arrive plus dans l'interview. Le m'a fait énumération de noms, mon nom oublié, puis mon après, le m'a après, adieu, si m'en c'est bien respect pour moi. Je ne vais pas rentrer dans le jeu, ça. Je vais citer quelques noms à l'heure là, mais je ne vais pas oublier, parce que je ne vais pas quelqu'un pour me faire une recherche, m'a dit. Parce que soit prendre deux créations, on ne dit qu'on pas. On ne dit qu'on pas 55, ben, 55 qu'on pas vraiment créé en 55, non. Non, en créé en 55. Mais là, pour nous montrer que compas pas de jam. C'est-à-dire, la musique en tant que telle, la musique compas en tant que telle, mais le genre compas en tant que telle, pas créé en 1955, mais non en telle. Mais musique sortie de ça après 57, début 58, etc. Pour prendre la variété haïtienne, parce que l'haïtienne, nous avons l'avantage que nous sommes un peuple qui est très éclectique en termes musical, parce que nous jouons pratiquement toute musique, nous écoutons toute musique. Parce que c'est un pays, on est une île, une Caraïbe là, à côté. Je n'ai pas fait rock and roll, j'ai fait hip hop, j'ai fait afrobeat, j'ai fait compas, j'ai fait zouk, j'ai fait salsa, j'ai fait merengue, j'ai fait soukha.
nous vraiment fait un pile bagarre. Sous ça veut dire ça nous englobe presque toute sa dominicaine, je sais dans culture latine non, vraiment. Vous comprenez? Alors que nous fait toute bagarre. Donc soit prendre du reggae, du compas, de zouk que nous fait de José Alassane de la Boda là, de hip hop ou gagner vraiment de très très bons paroliers. Yo en pile, yo en pile. M'pavlé et moi si c'était quelques noms, mon qui t'a suivi interview ça dès le début après que me fait référence à de noms que me trouvais que c'était très bons paroliers, grand pile très bons paroliers aussi. Gagne peut-être pas gagne projecteur sur yo. Et on parler de Tite Joseni. Yo monsieur plus on est qui agréable à voir, qu'après mon grand en général, il est très populaire sur les réseaux sociaux, mais il a une très bonne plume. Comme je disais là, c'est clavier, il a un très bon clavier chez lui. Donc monsieur écrit bien. Monsieur écrit bien et je pense qu'il y a peut-être de l'autre jeune parolier qui a venu, donc Pierre-Jean, un jeune parolier, monsieur écrit tout, monsieur écrit. Je vais parler de nous, peut-être pas un projecteur sur, mais les grands paroliers dans l'histoire de la musique haïtienne, il y a un pile. C'est 20 dernières années. Si je suis limité, peut-être ma 20 dernières années, je ne vais pas venir dans le jeu ça. Parce que je ne vais pas l'oublier. Non, pourquoi ça me dit ça? Je sens que je mal fait. Écoute, je connais bien le rap aussi. D'ailleurs, je connais rap plus que compas, en fait. Je vais faire une interview dans la radio sur l'histoire du rap haïtien. Et puis, mais le parler de l'histoire du rap haïtien commençait dans l'année 80. Et écoute, disons, mi-année 80. Et écoute, il y a des excellents rappeurs qui traversent les périodes pour y venir dans l'année 2000. Et on a énuméré, et vraiment, il y a des noms qui échappent. L'homme qui était radio me dit, oui, mais moi, mais c'est ça, il va. Et Frem, il a envahi, Jesse, bah, ça, mon cher, on ne va pas parler de grand rapport parce que c'était tel nom. Tu as raison, effectivement, tu as raison de ce début. Maintenant, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on est, on va éviter, on ne va pas prendre ma parler. Tu vois, pendant ma parole, je suis capable de dire un nom, mais là, je dis, si t'es combien, si t'es le nombre de guitares qui est bon, je me dis, bon, je quitte ça après balle. Après balle. Sous notre Sahara. Je quitte ça après balle. Non, c'est dangereux. Oui, oui, c'est dangereux. Non, non, je ne comprends pas que ça qui arrive, que. Je ne comprends pas que ça qui arrive, c'est pas qu'on sous-estime le travail, mais là, on interview, on interview. Et vous savez, vous parlez tout d'une pour parler, vous avez un petit temps très limité, donc vous n'avez pas cité tout le nom. Mais vraiment, si on a parlé de parolier dans la musique haïtienne, toujours confondu, mon frère, il y en a encore. Mais Feu, Antti de Rose, ah, c'est quand même de grands paroliers. Mais vraiment, je dis là, moi, bien content que Génération Sato bail de très, très bons paroliers. Génération, je dis là, bail de très bons paroliers. Sous notre ça, nous mettons fin dans l'émission aujourd'hui. Et avant nous aller, je voudrais saluer Sylvain Xavier du Silex de Causalité qui te mettait en contact avec Johnny Silicou. Nous dit Sylvain, merci. Et un gros merci pour même Johnny qui t'a accepté sans complexe, sans rechignage, sans parler en pile. Vini dans Point Vigil, on nous fait un partage. Johnny, merci en pile. C'est moi pour remercier pour l'invitation, ça fait un plaisir en pile. Et me garder vidéo que vous avez déjà eu. Mais vraiment, félicitations pour faire chemin, ça, pour prendre chemin, ça, vous êtes capable de faire l'autre chemin. Peut-être que vous avez un talent pour le tout. Je vous dis ça. Et chemin, c'est son talent, le tout. Et je garder le nez qui a pensé. Et nez, c'est bien, il fait mon riz. Bon, pour l'autre chemin côté, je pense que pour là, la plus traverser le temps, type de mission, ça a eu capable, utile, la génération présente et future. Et merci d'être invité, mais merci aussi à Silex qui fait contact là. Silex, on est aussi qui a fait un gros travail sur les réseaux sociaux avec Causalité. Et c'est où on est que je collabore avec l'Empile avec plaisir. Donc, je suis toujours disponible, sur l'autre sujet à aborder. Depuis moi-même, dans le travail, parce que, comme je dis, en dehors de musique, moi, faut mettre 10 euros après sur table là, on va m'acheter cola, faut m'acheter citron, me faire du citron. Donc c'est pas musique qui va moi, c'est l'autre activité que m'a fait. Donc une fois que me disponible, sois-en rassuré que m'a disponible pour. Merci beaucoup. Merci en pile, ça fait nous plaisir. Mes amis, nous pas prêter trop. Donc c'était tout pour nous passer un très bon dimanche et bonne semaine et dimanche prochain, n'a pourrait encore probablement avec un autre invité. C'était Garnel Pierre et Johnny Silicou dans Point Vigil. Bye bye.
À la prochaine.